Bonjour, la fille de Karine Le Marchand est aussi jolie que sa maman. Elle s'appelle Alia. Elles ont des beautés stupéfiantes. Donc là s'arrête le jeu de mots, puisque eh bien, Karine Le Marchand a envoyé un message super émouvant sur sa page Insta au sujet de, bah, de l'affaire de sa fille hein, qui a été contrôlée positive au cannabis et surtout à 10 h du matin. Donc elle a envoyé ce message que je vais vous lire. Sondage en 2021, la moitié de la population adulte âgée de 18 à 64 ans déclare avoir déjà consommé du cannabis au cours de sa vie. Ma fille a 21 ans et malheureusement pour les charognards, elle ne boit pas, ne prend pas de cocaïne ni d'héroïne. Ce n'est pas la fille de star que vous aimeriez voir échouer. Elle est comme beaucoup de jeunes et il a justement démarré depuis des semaines un protocole d'arrêt du cannabis et mange des bonbons substitutifs au cannabis. Le cannabis apparaît dans les tests même jusqu'à 70 jours après son absorption et même le CBD peut créer des tests positifs. Ma fille a été arrêtée lors d'un contrôle de routine et contrairement au fantasme des rageux habituels, elle n'a jamais eu l'interdiction de conduire. Il était 10 h du matin et elle allait faire des courses à ma demande. Son test salivaire s'est révélé positif et elle a été mise en garde à vue au commissariat de la rue de la Faisanderie. Par ailleurs, j'ai porté plainte en 2020 contre Mimi Marchand, la papesse de la presse People, pourtant tentative d'extorsion de fonds, ainsi que trois policiers véreux du commissariat de la rue de la Faisanderie qui vendaient les infos des personnalités à cette belle personne. Donc l'affaire est toujours en cours et Mimi Marchand et les trois policiers sont mis en examen. Regardez sur Google, vous trouverez l'affaire. Il est donc bien évident que la garde à vue de 26 heures de ma fille dans le commissariat, bon, bah, tout ça pour dire qu'elle. Franchement, je trouve que c'est un message qui est vraiment, vraiment très émouvant puisqu'elle descend, elle défend sa fille, c'est-à-dire que on a entendu plein de choses hier soir à la télé au sujet de sa fille et donc elle le dit, elle n'a jamais eu l'interdiction de conduire, elle a expliqué la chose et puis elle a fini par dire ma princesse, je te défendrai jusqu'à ma mort, je t'aime à la folie, je suis fière de ce que tu es et de ta gentillesse pure, de ta sensibilité, de ton intelligence. Avoir 21 ans n'est pas facile, être ma fille non plus. Je suis désolé que ma notoriété ne t'épargne rien, je t'aime jusqu'aux étoiles. Voilà. L'amour avant tout, vous voyez? Donc moi je trouve que c'est un message hyper, hyper touchant et c'est vrai que, comme je dis souvent, quand on ne sait pas, on ne dit pas. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.